Salut les gars, Smoke, un autre épisode avec nul autre d'un vétéran de la médiatisation de la scène de Montréal. Oh, on dit les choses comme qui sont. Nul autre que Shadow, CIBL, Radio Centre-Ville, Montréal Underground. CIBL, Radio Montréal. Radio Montréal. Moi je voudrais savoir, la raison pour laquelle je suis venu te voir, c'est pour savoir, en tant que média, que ça fait longtemps que tu es là, qu'est-ce que pour toi qui est un produit que tu te dis, ok, celle-là, je veux le pousser? Ben, c'est sûr que le produit qu'on doit pousser, nous, en tant que média, c'est un produit vraiment qui est bien fait, premièrement, qui est bien travaillé, que l'artiste ou bien le groupe ait vraiment pris le temps de connaître son public. Okay. Qu'est-ce qu'on déplore beaucoup présentement dans le milieu, c'est que les gens sortent des tracks, puis ils ne testent pas le public, le marché. Okay. Pour jouer une bonne track à la radio, une bonne track à un refrain, mm-hmm. c'est quelque chose où que tu peux aller identifier plusieurs personnes en même temps. Okay. On sait qu'au Québec, le hip-hop est très stéréotypé. Mm-hmm. Les gens, lorsqu'ils voient hip-hop, pensent gang de rue, pensent gang de Montréal-Nord ou des affaires comme ça. Mais c'est à nous de changer la game, c'est à nous de montrer que... Okay. On est capable de faire quelque chose de différent en allemand, une autre sorte de musique. Oui, il y a le rap, oui, il y a ses origines, oui, il y a ce style-là. Mm-hmm. Mais pour pouvoir toucher le mainstream, il faut que tu ouvres plus tes horizons. Ok. Deuxième chose pourquoi je suis venu, parce que dans mon blog, j'aime ça mettre aussi la vie des artistes. Mm-hmm. Puis dernièrement, il y a des artistes que eux, un était contre l'autre et des choses. D'après toi, là, à Montréal, là, est-ce que des beefs, ça met de l'intérêt sur une situation? Est-ce que ça l'aide les artistes, ou ça les aide pas, ou ça fait rien pour tout? Oui, ça l'aide. Moi, je suis pas vraiment partant de beef, okay. mais je pense qu'un beef peut être bien fait. Okay. Si ça s'en tient au niveau lyrical, au niveau musique... Quand est-ce pour toi qu'un beef devient trop exagéré? Quand ça commence à prendre d'autres mesures, ou ce que les gars commencent vraiment à le prendre... C'est sûr qu'un beef, tu le prends personnel. Ouais, ouais, ouais. Mais quand ça commence à sortir de la musique, commence à sortir de la musique où ce que le gars peut même plus aller dans tel quartier ou dans telle aile ou dans telle fête à cause de ce genre de beef-là, là, ça prend des mesures. Mais si jamais, exemple, moi, je décide de faire une track sur toi, on va s'en tenir lyrique. Ouais, on va regarder lyricalement. Moi, je te donne mon verse, toi, tu me réponds lyricalement. Ouais. Mais je n'irai pas dans la rue pour dire, oh, ok, Chris, je suis pas d'accord avec toi, puis blablabla. Non. Lyricalement, je pense que oui. Puis pour un artiste, ça fonctionne. Prenons l'exemple, Baxter Dexter avec Buzz White. Ouais. Ça, ce beef-là, c'est un beef écœurant pour moi. Ouais, ça a aidé les deux carrières. Ça a aidé les deux carrières. Ouais. Baxter, regarde maintenant, l'artiste, ça fonctionne bien ses affaires. Mm-hmm. Regarde Buzz White, là, c'est sûr qu'on l'entend mieux, on l'entend moins souvent. Okay. Sauf que ça a aidé, ça a créé les médias embarqués là-dedans. Même moi, en tant que média, j'ai embarqué là-dedans. Mais c'est sûr. Mais. C'est resté lyricalement, c'est resté musicalement. Ça veut dire, depuis que ça reste dans la scène en tant que musical, et celui, c'est comme un ça a l'air d'un challenge, ouais. celui qui a la meilleure musique gang, ouais. c'est bon. Ouais. C'est quand ça devient personnel que dans la rue, le gars décide que l'autre c'est vraiment mon ennemi personnel. C'est ça. C'est là que... Regarde un autre beef aux États-Unis, t'as Jay-Z avec Benny Siegel. Ça, c'est personnel, ouais, c'est sûr. Ok, c'est personnel. Ça va chercher l'orgueil de la personne. Ouais. Sauf que, est-ce que t'as entendu que Benny Siegel a crash a party de Jay-Z? Non. Tu comprends? Peut-être qu'il est en train des histoires à gauche, pas à droite. Ouais. Mais c'est jamais la personne qui est impliquée dans ce beef-là qui fait l'action. Donc, c'est toujours survol musical, conférence de presse, je t'envoie des points. La même chose aussi en boxe. Jean-Pascal avec ses adversaires. Hey, oublie ça là! Oui. Hey, tu vas traiter l'italien de sauce à spaghetti, genre tes pâtes sont pas cuites. Hey, tu vas chercher dans ta culture, tu vas chercher dans la personne. Ouais. Mais, ok, le combat est fini, tu n'entends plus. Exactement, tu comprends, tu n'entends plus. Okay, ouais. Okay. Moi, je suis pour les beefs, mais à une certaine limite. Okay. Il faut que ce soit lyrical, il faut que ça reste musique, il ne faut pas que ça prenne des proportions exagérées. Ok. Et d'après toi, là, qu'est-ce qui manque? Dans la scène, quelle qualité de musique qui manque à la scène pour qu'on puisse aller, admettons, compétitionner les artistes anglais avec Toronto, les artistes français avec la France? Les musiques sont là. Honnêtement, le produit est là, sauf qu'il faut le raffiner. Ça veut dire que c'est plus le marketing. C'est le marketing, c'est le suivi, c'est avoir... C'est sûr que l'argent compte pour beaucoup, énormément, énormément.
mais c'est avoir une bonne équipe de travail. Okay? Ouais. Tu sors un produit, tu travailles fort, tu fais tes suivis avec ton produit, tu t'assures de faire les tournées. Puis quand je parle de tournée de radio, à Montréal, on peut voir qu'il y a certaines personnes qui vont venir voir moi, d'autres qui vont aller voir Dice B, d'autres qui vont voir Intel. Sauf que le suivi n'est pas adéquat. Tu sais, je parlais récemment avec Dice B, puis je disais, qu'est-ce qui se passe? Les gens, exemple, moi, il y a du monde qui vient me voir, qui ne vont pas te voir, puis vice-versa. Il faut que ce soit... Mais je pense que c'est ça que... Parce que le monde... c'est pas juste les artistes le problème dans la scène. C'est que le monde a de la misère à voir que les médias ont un genre de star system. Genre, il y a la radio, il y a l'internet, il y a la télévision. Mais le monde, dans leur stratégie marketing, ne met pas ça en bout de liste. Ouais, mais aussi, qu'est-ce que les gens ont peur? Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que... Je vais donner un exemple qui arrive à Montréal. Mm-hmm. Tu décides de partir ton... Là, on fait une entrevue, tu décides de partir sur site internet, OK? Ouais. Nous, pour toi et moi, on a un lien. Tu vas venir me voir, je vais venir te voir, et ainsi de suite. Mais est-ce que tu fais ça avec les autres radios? Est-ce que tu fais ça avec tout le monde? Là, je prends toi comme exemple. Oh, oui. Mais qu'est-ce qui arrive à Montréal, c'est que l'autre qui décide de faire son émission de radio, mais il va rester avec son cercle. Mais moi, personnellement, mon site sert à montrer tout ce que Montréal fait. Tu vois? Ce qui veut dire que je suis supposé aller voir toi, je suis supposé aller voir toutes les autres. J'ai un autre avec Morburn, j'ai un autre, tu sais, je peux aller voir Dice un lundi, ouais, et dire, OK, bon, je vais prendre ton avis sur la scène, puis après ça, je vais voir un autre média. Moi, ça me dérange pas parce que c'est ça que moi, je veux montrer. Mais les artistes aussi ont c'est un ça. Devoir. Les artistes parce ont un devoir. Nous, en tant que médias, on n'a pas vraiment un devoir de se voir, mais les artistes ont un devoir d'être partout pour leurs produits. Super important. Parce qu'eux ont un produit à vendre. Nous, on peut juste diffuser que le produit sort. Moi, les artistes m'emmènent son produit, je vais le pousser. Mm-hmm. OK? Puis, je ne suis pas quelqu'un qui est picky non plus. Je ne vais pas faire. Oh, même les démos, je vais les pousser. OK? Okay. Puis, je prends. En tant qu'animateur, je prends beaucoup sur ma part de responsabilité parce que la station, nous on a des critères, on a une barrière, on a un standard à respecter. Okay. Puis, tu sais que le hip-hop n'est pas censuré, surtout. Quand les gars arrivent avec des tracks, ils ne sont pas censurés. Mm-hmm. Fait que tu prends un risque en jouant ça à la radio parce que nous, on est régi par le CRTC. Le CRTC, tout ce qui est censuré, tout ce qui n'est pas censuré, on ne peut pas le faire jouer. Fait que moi, je me permets. Bon, mais ça, c'est une chose que les artistes savent pas. Qu'est-ce qui n'est pas censuré, tu ne peux pas le jouer. Puis, exemple, un artiste qui arrive dans une C'est quoi ou K103, on enlève les swears, on les enlève. Tu sais, on met un blanc. Tu écoutes en 97, tu écoutes une track de 50, tu vas entendre toujours un petit blanc. Allez écouter ça, vous allez entendre toujours un petit blanc ou une petite clip qui va arriver dans la track. Okay. C'est pourquoi? Parce que c'est un swear qui est là. Ça veut dire, nous aussi, on est obligé de faire ça. Oui, si tu veux que ton produit joue dans toutes les radios, tu n'as pas le choix de faire ça. Okay, mais qu'est-ce que des fois les artistes oublient, c'est que oui, c'est bien beau arriver dans une radio communautaire, mais il faut sortir de la radio communautaire. Nous, on n'a pas le choix de faire la radio communautaire parce qu'on ne nous accepte pas dans les gros médias. On ne nous accepte pas. Il n'y a pas une radio hip-hop au Québec ici. Mm-hmm. Fait qu'on peut pas, moi, je n'ai pas le choix de m'adhérer à la radio communautaire. Mais est-ce que c'est par choix? Mais oui, c'est un choix. Mais je suis pogné dans ce cercle-là. Okay. Je ne peux pas aller plus loin. Okay. Ah, ça, c'était vraiment intéressant de savoir ça. Je pense... pour moi, qu'on a fait un tour sur le marketing et tout, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas, que moi, tu devrais... Moi, je dirais aux artistes, continuez à travailler, persévérez, abandonnez pas vos rêves, continuez à travailler fort dans la direction de ce que vous voulez. Marketing, assurez-vous de prendre un produit qui est ouvert à tous. Okay? Moi, je suis pas du style... Vous voyez comment que je suis pas du style chaîne hip-hop, whatever. Mm-hmm. Sauf que je suis un adepte fidèle du hip-hop. J'en mange. Exactement. Okay? Fait que les gens aussi, il y a beaucoup de personnes qui en mangent aussi, sauf qu'ils vont pas sortir la carte hip-hop. Mm-hmm. Ils vont rester chez eux, ils vont l'écouter dans leur voiture ou dans leur domicile, mais ils vont jamais sortir la carte, je suis fier d'être faire partie de la communauté hip-hop. Okay. Fait que continuez à travailler, persévérer, croire en vos rêves, puis c'est sûr que vous allez arriver à un but. T'sais, je regarde des M-Pod, je regarde des dramatiques, je regarde des dogmatiques. Ça a pris du temps, mais les gars sont rendus. T'sais. Exactement. C'était un autre exclusif, 514 Smoke, avec Shadow. Yeah. On te remercie. Merci à toi. Et peace out. Continue à travailler. Right. Peace.